Hey, regardez! Touche pas à ça, vieux! C'est trop dangereux ici! Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi? À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien que moi. Tu vas mourir à Arkham City. Tu vas te noyer, Catwoman. On va te déchirer. Ce sera pas long, t'inquiète. Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Enlève tes sales pattes de là, tu veux. Debout, Monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci! Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant! C'est le chaos total! Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. Attention, Wayne est la cible prioritaire. Umsteigen! Les mains en l'air, Wayne! On tient Wayne. Cible sécurisée. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Vous êtes à moi, nouveau venu. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. C'est moi qui suis à la tête d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond mépris de la loi
de la société et de vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez... Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Vous avez été séparés du grand peuple de Gotham. Aidez-moi! Commettons les actions et le droit à une vie soi-disant ordinaire. Bienvenue à Arkham City, Wayne. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. On se met à terre. Où mon autorité... Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A. Allez! Wayne, c'est dans la file A. Eh Wayne, je reste au break, le pingouin a mis un prix. Oh! Dis-le, je le prix. Wayne, tu venez donc par ici. Et maintenant, dérange. Je déteste par la tête. Casse-lui la tête. Allez! Écrase-lui la tranche. Arrêtez, les filles. Bruce Wayne, t'es sur ma liste. C'est dit d'arrêter, maintenant. Bang! On se bouge, prisonnier! Avec le numéro 3, les équipes de sécurité. Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème. N'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je vais mourir ici. Bruce Wayne? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. Je n'aurais fini tant plus qu'un physique de radio. Debout, Ryder. J'ai dit debout. Eh ben, regardez un peu qui est là. Bienvenue en enfer, mon petit Bruce. Faites beau rêve. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi. Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Chopez-le! Ah! 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 Frappez-le! Je crois qu'il m'a cassé la main! Qu'est-ce que vous foutez? Vous s'est échappé? Comment c'est possible? Laissez pas s'enfuir. Je ne peux pas contacter Alfred d'ici. Je dois d'abord grimper.
Alfred, vous avez les coordonnées ? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. Je peux sûrement sauter jusque sur le bâtiment d'Ace Chemical. Je pourrais grimper depuis ce point. Votre incarcération au journal télévisé du soir, vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe ? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce ? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Est-il arrivé, monsieur ? Pile à l'heure. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger ? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder ? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Les prisonniers les plus féroces et les plus forts de la cave d'Antard. Le show a déjà commencé. Dans son tribunal, Double Face se prépare à tailler le cuir de Catwoman. L'heure est en retard, mesdames. Mais ne vous inquiétez pas. Double Face ne tardera pas à choper le Joker pour le partir de Linton et le faire grandir un petit peu. Regardez, c'est Batman! C'est Batman! Il leur botte le cul! Chopez-le!
seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. La peur, c'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice, mon œil. Tue-la et ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé. Quoi, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. Hey, t'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volés. Personne ne peut nous voler. Oh, je suis désolée. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense que tu dis vrai. Que le procès commence. Silence dans la salle! Silence! Silence! Il suffit d'éliminer le type qui a l'arme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. De nouvelles têtes! Une toute nouvelle opportunité. Deux opportunités. Rejoignez-nous pour créer une nouvelle force à Arkham City. Et prendre le contrôle de ce lieu. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Notre ami Batman est arrivé. Chopez-le et coupez-le en deux. Tu n'es pas le bienvenu dans ma cour, Batman. Je vais te tuer, cinglé. Hé, hey, tu m'as oublié? Tu vas m'enfler. Bon ça. Tu vas... Que quelqu'un arrête. Objection. Rejeter. Pile ou face, joli minot. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Pas celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre! Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey? Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années, et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker, et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Ah, te dirais, cher Matou, qui va tuer ton gentil Matou? Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien.
Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Si on te coince pas, le Joker le fera. La balle a touché le sol ici. Bon, par où est-elle entrée ? La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Il essaie de s'enfuir ! Empêchez-le ! Fermez bien cette porte ! Je suis pas débile, c'est ce que je fais. On va te faire payer ça, Batman ! Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman? Pourquoi on est encore là? On devrait plutôt se tirer, non? Tu crois? Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, il a froid. Bien sûr que j'ai froid. On se les gèle ici. Tout ça parce que cette carte Starley nous a laissé dehors. Quelle cinglée. Je parie qu'elle est bien au chaud, elle. Doucement, mec, c'est qu'une question. Qui c'était, cette nana? Celle qui a été traînée? J'en sais rien. Batman, il est là! Batman est en train de les réduire en boule! Eh ben quoi, t'as les chocottes, Batman? Ça prendra pas longtemps. On a Batman dans le viseur. Je suis à l'église. On dirait bien Carl est... Laisse partir la demoiselle, Batman, ou on leur colle tous une balle dans la tête.
Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le! C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman. Où il est passé? Il est parti! Il a disparu! Ils ne savent pas où je suis. Bien, bon, tâchons que ça reste comme il ça. Il va nous buter! Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Il faut qu'on ça devrait être de facile. Il va nous buter! Batman! Tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, ces gens mourront tous! Il me lâchera pas! Oh non! Je vais crever ici! Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est! Je le vois pas! Il peut venir de partout! Reste calme! Batman! Tu m'entends? Okay. Libérez-moi! Tire-toi si tu veux pas que cette... Ça va! Ne dites rien. La tête. Ouais, lâche-toi un peu. T'es toujours là? Réponds-moi. Il a un otage. Batman, je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Essaye de te saisir, hein. Adieu, stupide chauve pourri. Personne ne va te sauver, maintenant. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas. Où il est passé? Il est parti! Il a disparu! Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il va nous buter! Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Batman! Tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, ces gens mourront tous! Il me lâchera pas! Oh non! Je vais crever ici! Ça va. Ne dites rien. Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Attendez ici et ne faites... Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. La pièce est sécurisée. Tout va bien se passer. Dieu merci. Hé, hey, Batman! Merci du coup de main!
Qu'est-ce qui a poussé cette femme à venir ici pour faire ça? Pourquoi nous tuer? La seule priorité de Quinn, c'est de protéger le Joker. Elle est dangereuse. C'est ce que je vois. Eh bien, merci, Batman. C'est drôle. Je pensais que les gens seraient contents de nous avoir ici. Je crois que j'avais tort. On va la chercher. Je sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau. Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui. Très bien, tout le monde a compris? Chargez-vous des blessés, empêchez les ordures d'entrer. On a une équipe. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je crois. Elle a reçu un bon coup sur la tête quand Harley Quinn est entrée. On devrait former un escadron et répliquer. Ils sont beaucoup trop nombreux. Restez ici avec les blessés. Ces monstres vont le payer. Est-ce que ça va? Oui. Ce pauvre type a été grièvement blessé quand cette dingue a attaqué. Il y a que des gangs et de la violence dans cet enfer. Si on s'intègre pas, on tient pas longtemps ici, c'est sûr. Heureusement que vous êtes arrivé, Batman. Après ce qui s'est passé à l'asile, je pensais que vous auriez choisi un boulot plus tranquille. Eh non. Quand Sharp a fermé l'asile, j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot pour un ancien garde incapable d'empêcher une évasion collective. C'est le seul travail que j'ai trouvé. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas de votre faute, Cash. Qu'est-ce qu'Harley Quinn faisait ici? Cette cinglée a déboulé ici il y a quelques heures avec tous ses crétins. Ils ont grimpé quelque chose dans la tour avant de faire sauter l'escalier. Merci. Je vais voir ça. Attendez! J'allais oublier quelque chose, Batman. Certains d'entre eux ont pris un médecin. Quinn a dit qu'elle avait besoin d'elle pour soigner le Joker. Si elle est en vie, je la trouverai. Vous, occupez-vous de sécuriser cette église. Vous devriez y être à l'abri. D'accord. J'espère que vous trouverez le doc. Elle s'appelle Stacy Baker. C'est quelqu'un de bien. Le coup de feu est parti du clocher. Il faut que je grimpe jusque-là. Voilà l'arme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Regardez qui voilà. Je ne t'ai pas vu depuis...
Depuis quand déjà? Voyons, je me souviens d'un asile de monstres et... Ah oui! Que tu m'as laissé pour mort! Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tant pis! Tu dois te concentrer sur les bombes. Dépêche un peu, l'heure tourne. Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance. Non, ils auraient dû rentrer il y a des heures. Je sais pas. Ils connaissent les règles. Je les répète sans arrêt. Revenez ici avant qu'il fasse noir. C'est peut-être les gars de double face. Bon sang, pourquoi ils ont rien écouté? C'est le seul endroit qui soit sûr. On reste ici, et ces monstres nous laissent tranquilles. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Je sais, je sais. Pourquoi ils sont sortis? Pour manger, je pense. Ils auraient dû attendre. Ils avaient faim. Merde, on a tous faim! J'ai pas mangé depuis des jours, on va tous crever ici! Ici au moins on est à l'abri. Je vais chercher de la nourriture. Comment? À chaque fois que Strange en livre, ces salauds raflent tout ce qu'il y a. On n'a aucune chance. Je vais trouver une solution, crois-moi. Regarde-les, ils bouffent comme des porcs. Les gars du Joker n'ont aucune classe. C'est pas... Bienvenue, prisonniers. Vous venez de faire vos premiers pas ici, donc vers un monde meilleur. Un monde de soif, de malice, et surtout un monde où la seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous. L'ordre du jour, on a pour ordre de tirer sur tous les blaireaux qui viendront ici. Ok. Une minute. Le Joker a pas dit qu'il acceptait tout le monde? Écoutez-moi, espèce de sombre crétin, et ouvrez bien grand vos oreilles. Comme vous le savez, Monsieur J est... Il est... Il est plus lui-même. Et la dernière chose dont il ait besoin, c'est un soi-disant super-héros qui vient l'embêter et compromettre... Alfred, je dois parvenir à entrer dans la scierie Sionis. Pourquoi pas la porte de devant, monsieur? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ça semblait trop facile. Voyons un peu, si tous les autres passages sont bloqués, le seul moyen d'entrer est de... Non, c'est du suicide. La cheminée principale. D'accord. C'est compris? Parfait. Comment on est censé entrer là-dedans? Il doit y avoir un moyen. Comment ferait Batman? Est-ce que j'ai la tronche de Batman? Non, mais lui, il pourrait entrer. Comment il se débrouillerait? Il se servirait de son grappin. Il pourrait passer par la tour principale. Super. T'as un grappin? Non. Bon, réfléchissons. Le seul moyen d'entrer, c'est par un tunnel de refroidissement. Je pense. Est-ce qu'on parle du tunnel plein d'eau bouillante et de gaz toxique? On pourrait construire un bateau. Ouais, et pour le gaz? Des masques à gaz? Bon, je résume. Pour vous, les petits génies, le meilleur moyen d'entrer et de rester en vie, c'est de construire un bateau et d'avancer sur un océan d'eau bouillante en portant des masques à gaz. Mais, tentons le coup. Je sais ce que vous pensez, les gars. Mais si c'est vrai, la vie que je veux faire entreprise est telle comme on le dit. Malheureusement, oui, tout est vrai. Mais ne vous laissez pas. Au moins, vous savez ce qui vous attend. Je vous le garantis, vous ne partirez jamais. Te voilà, Batman. Viens par ici. Hé, les gars, j'ai trouvé Batman! Je finirai bien par te trouver. Tu m'entends? Je te trouverai! Tu pourras pas m'échapper.
Entreprise, je ne prends pas les meilleurs. Allons, regardez certains cédars.